Donc, ce que je viens de dessiner, c'est tout simplement. Donc, ces plans que vous voyez ici, ce plan-là, c'est z égale constante. Ce plan-là, c'est donc c'est phi égale à constante. Ce plan-là, c'est rho égale constante. Et ça, c'est tout simplement votre point M. C'est votre point M. Et bien sûr, bon, ici, on peut imaginer un cylindre. OK? Donc, c'est très simple. J'espère que vous avez bien assimilé les coordonnées cylindriques. Ce sont des coordonnées très simples. Après, on va voir aussi des remarques. Donc vous avez votre cylindre et bon, si vous avez de tels mouvements par exemple, eh bien il est par exemple ce mouvement-là. Si vous avez ce mouvement, cet autre mouvement hélicoïdal, eh bien vous pouvez utiliser les coordonnées cylindriques. Donc si vous avez des questions concernant cela, s'il vous plaît, il faut les poser. Donc on pourra faire ça en live.